vous êtes une audience d'entrepreneur, rappelez-vous que vous êtes des marathoniens. Rappelez-vous que finalement, votre entreprise, c'est comme le corps humain. Le biohacking, c'est ça. C'est être le CEO de son propre corps, de sa propre biologie. L'idée, c'est de comprendre que l'on peut optimiser sa vie et déjà au moins contrôler sa vie en prenant le contrôle de notre environnement interne et externe. Saviez-vous qu'il existe des techniques basées sur la science pour augmenter votre productivité, votre santé, même la longévité et votre énergie au quotidien ? Si vous vous sentez stressé, épuisé et des fois vous avez des downs d'énergie, eh bien vous allez adorer ce qu'on va présenter ici dans cette vidéo. Ça s'appelle le biohacking. Je suis en présence du docteur Denis qui va se présenter dans un instant justement. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Déjà, merci à toi de ton invitation. Je suis ravi d'être actuellement sur ta chaîne, d'être ton invité. Alors, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans une circonstance un peu particulière. Nous sommes à Marrakech au congrès des entrepreneurs et donc ça permet comme ça d'être baigné de tout cet égrégore. Donc, alors qui suis-je ? Donc, Docteur Denis, c'est le pseudonyme sous lequel je me suis fait connaître en tant qu'auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors, avant de définir ce qu'est le biohacking, je vais vous expliquer mon parcours. Donc, mon vrai métier, je dirais, c'est médecin anesthésiste réanimateur. J'exerce dans une clinique parisienne depuis au moins une quinzaine d'années. Je suis par ailleurs instructeur en hypnose auprès de la National Guild of Hypnotists. Je suis également enseignant en coaching. Je suis titulaire de 2 diplômes de médecine anti-âge et prévention du vieillissement. Et donc, j'ai découvert, chemin faisant, le biohacking. Le biohacking étant une méthode créée aux États-Unis, comme son nom l'indique, composée de 2 mots, bio et hacking. Bio, c'est la vie, et hacking, c'est la prise de contrôle. C'est important de bien voir ça d'une manière très positive. Autant on peut avoir une image un petit peu altérée du mot hacking, parce qu'il y a une connotation comme un piratage. Mais là, en fait, c'est un piratage éthique. L'idée, c'est de comprendre que l'on peut optimiser sa vie et déjà au moins contrôler sa vie en prenant le contrôle de notre environnement interne et externe. L'environnement externe, ça va être l'alimentation que je vais manger, ça va être le stress auquel je suis soumis, ça va être la pollution électromagnétique ou la pollution atmosphérique que je vais devoir respirer. Ça, c'est mon environnement externe. Mon environnement interne, ça va être mes hormones, ça va être mes pensées. Qui dit pensée dit également toute la neurochimie. Ça va être également mon système immunitaire. Ça peut être tout ce qui est à l'intérieur de moi-même, c'est mon environnement interne. Quand on maîtrise l'environnement externe et interne, on peut maîtriser sa biologie. Quand on maîtrise sa biologie, on va maîtriser sa vie. Voilà, c'est une introduction un petit peu longue, mais je l'espère assez détaillée du concept. Du coup, le mot hacking fait penser un peu justement à l'informatique. Est-ce qu'on pourrait voir ça plutôt comme le mot débridé, finalement, débrider son potentiel ? Alors oui, débrider, ça peut être assez intéressant. En fait, il faut voir même que quand on parle du hacking informatique, il y a 2 types de hackers. Il y a ce que l'on appelle les black hat hackers, donc qui sont les hackers qui vont aller rechercher l'information pour éventuellement saccager le système. Et finalement, les white hat hackers, hein, donc les hackers, on va dire, à chapeau blanc, hein, dans le langage informatique, sont les hackers qui vont justement aller éprouver le système pour pouvoir lui rajouter de la mémoire, pour pouvoir lui rajouter de la mémoire vive, pour pouvoir le rendre plus puissant, pour pouvoir le rendre plus résistant, voire résilient aux attaques éventuelles extérieures de virus ou autres. Donc finalement, il faut vraiment voir le biohacking comme ce concept d'une optimisation qui ne va pas à l'encontre de la nature, puisqu'on n'est pas là pour parler du transhumanisme. L'idée n'est pas d'aller modifier notre ADN, l'idée n'est pas donc de faire des choses incroyables, l'idée est de faire le maximum de ce que l'on peut faire avec notre biologie avec laquelle nous sommes nés. Alors, rentrons dans le vif du sujet et dans le concret pour que ça parle à tout le monde. Quelles sont les 5 habitudes de vie à mettre en place pour pouvoir mettre un pied dans le biohacking et s'optimiser? Alors, c'est toujours très basique. Ce que je vais dire, peut-être ça va paraître pas très extraordinaire, beaucoup de personnes se disent « Ah, peut-être que ce n'est que ça ». C'est pas que le biohacking ce n'est que ça, c'est que tant qu'on n'a pas fait ça, le biohacking ça ne sert pas à grand-chose. Aller prendre des compléments alimentaires compliqués, aller s'injecter X, Y substances curieuses, ça n'a pas de sens tant qu'on n'a pas fait la base. La base de la base finalement, c'est de faire en sorte d'optimiser notre énergie cellulaire. L'énergie cellulaire, elle est due à une molécule que l'on appelle l'ATP qui est produite au sein de nos cellules.
dans des petites usines que l'on appelle les mitochondries. Pour que les mitochondries fonctionnent bien, eh bien, il y a quelques petites routines du quotidien qui vont booster nos mitochondries, qui vont booster notre énergie. La douche froide, hein, donc l'exposition au froid, ça va obliger les mitochondries à développer plus d'énergie pour produire plus de chaleur. Le jeûne, finalement, quand on jeûne, on impose à notre corps d'éliminer des cellules vieilles ou malades ou qui n'ont pas vraiment assez d'énergie. Donc finalement, on va faire un petit peu le ménage. Le jeûne, c'est quoi? C'est le jeûne intermittent dans un premier temps et le jeûne de plusieurs jours Déjà, le jeûne intermittent. Ouais. Le jeûne intermittent, en fait, on considère que ce nettoyage cellulaire commence à peu près au bout de 16 heures de jeûne. Donc c'est vrai que 16 à 18 heures. Donc c'est le jeûne intermittent, c'est vraiment la chose la plus simple à faire. Ensuite, éviter le stress mental. Là encore, même si ça paraît intuitif, il est quand même documenté que le stress mental entraîne également un stress cellulaire finalement, avec même des conséquences sur l'ADN du reste. Donc voilà, toutes les techniques de gestion du stress, toutes les techniques de gestion mentale vont favoriser l'énergie cellulaire. La respiration, méditation par exemple. Respiration, méditation, alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup la respiration type cohérence cardiaque, okay, ou la méditation qui sont très très faciles à mettre en place. Autre chose très facile pour booster justement les mitochondries, diminuer les apports sucrés. Ça paraît là encore relativement contre-intuitif, mais en fait le sucre, pour être schématique, en excès va provoquer une inflammation de l'organisme et va être délétère pour les synthèses d'énergie au niveau cellulaire. Dernière chose extrêmement simple, c'est la pratique de l'activité physique. Alors, le truc, c'est que souvent on me dit « ouais, mais j'ai pas le temps ». Alors, moi je réponds toujours à ça. L'idée, c'est pas de courir pendant une heure tous les jours. Ok, ça peut être chouette, mais ça n'a pas un intérêt considérable. Et en plus, c'est pas très bon pour les articulations. Ce qui est intéressant au niveau du métabolisme, c'est de faire fort, mais court. C'est-à-dire que le training de haute intensité en fractionné, on va le faire en français, ça sera plus, simple. Donc ça, c'est vraiment une chose intéressante. Vous faites un sprint pendant 10 secondes, vous arrêtez 10 secondes, vous faites un sprint pendant 10 secondes, etc. Ça, c'est extrêmement productif. Et également, il est possible de faire de la musculation, mais la musculation, ça sert à rien de soulever un poids de 1 kg et de faire ça 100 fois. Il vaut mieux faire une charge relativement lourde, je sais n'importe quoi, au développé couché, aller chercher 50, 60, 70 kg. On le fait une fois, c'est ok, mais au moins on est allé au maximum de nos capacités. Quand on va jusqu'au maximum de nos capacités, c'est là qu'on booste nos mitochondries, c'est là qu'on booste notre énergie et c'est là qu'on peut commencer à avoir des effets intéressants au niveau musculaire, au niveau également de la longévité, qui est corrélée d'ailleurs à la musculation. Ok, super. Dites-nous dans les commentaires si vous pratiquez déjà ces différentes habitudes dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça a transformé pour vous? Également, mettez un like en dessous de cette vidéo. Des likes. Voilà, des likes, exposez les pouces bleus et partagez cette connaissance. Maintenant, quels sont un peu les mythes, les idées reçues qu'il y a sur le biohacking? Est-ce que tu veux en casser quelques-uns maintenant? Il y a plusieurs mythes, effectivement. Il y a des personnes qui estiment que le biohacking, c'est... juste peace and love, on va retourner à la nature, on va aller courir nu dans les bois et on va aller chasser et puis on va cueillir comme si c'était un retour à l'homme de la préhistoire. Non, le biohacking, c'est pas ça. Par contre, effectivement, cette insistance à des choses simples que je viens de citer tout à l'heure, c'est la base, il faut commencer par ça. Mais ça ne se limite pas à ça. Le biohacking, c'est pas juste un retour à la nature, c'est pas juste utiliser des choses naturelles. Le biohacking n'a pas de limites, mis à part des limites éthiques. Il n'y a pas en soi de limite, tant qu'on ne va pas vers le transhumanisme, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, effectivement, une fois qu'on a fait cette base, alors on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Là, on va chercher peut-être des compléments alimentaires. Hein, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? On peut utiliser la biotechnologie, comme par exemple la photobiomodulation, c'est-à-dire l'utilisation de la lumière, rouge. Et puis on se dit, est-ce que je peux aller plus loin? Ben oui, on peut aller plus loin. On peut utiliser, par exemple, des nootropiques, c'est-à-dire des substances qui vont aller... booster la neurochimie du cerveau. Ensuite, on se dit, ok, est-ce que je peux encore aller plus loin? Ben oui, on peut encore aller plus loin. On peut aller voir comment on peut stimuler les cellules souches. Et puis après, effectivement, on va aller rentrer dans des techniques plus complexes que l'on appelle de médecine régénérative, voilà, qui sont vraiment ultra, ultra spécialisées. Je ne vais pas trop détailler ça parce que là, c'est quelque chose déjà qui n'est pas très développé en France. Et... tout le monde n'a pas forcément accès à ça et tout le monde n'a pas forcément d'intérêt à avoir accès à ça. Mais en tout cas,
L'idée, c'est qu'en biohacking, on ne se limite pas au naturel, mais en même temps, on ne va pas aller vers l'artificiel comme étant la seule voie. Non, on commence par ce qui est simple, naturel. Une fois qu'on est arrivé, on va passer à des technologies, que ce soit technologie ou biotechnologie. Le biohacking a trois phases. Première phase, on dépiste les déséquilibres. Il y a plein de manières de faire. Des analyses. Ça peut être ou bien des analyses ou alors juste des questionnaires. Okay. Il y a des questionnaires extrêmement performants, notamment sur les neurotransmetteurs, qui permettent de dépister les déséquilibres. Ensuite, on va équilibrer ces déséquilibres. Et une fois seulement qu'on a fait ça, là, à ce moment-là, on peut s'amuser et on peut passer à l'optimisation. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a des compléments alimentaires qui vont aller, au niveau cellulaire, faire la même action que le jeûne. Mais si tu prends ces compléments alimentaires et que tu ne jeûnes pas, bah, tu perds de l'argent, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si tu es déjà quelqu'un qui est adepte du jeûne, là, oui, si tu prends ces compléments alimentaires, tu peux avoir un intérêt à les prendre. Mais sinon, tant que tu n'as pas fait la base, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ok. Tu penses à quoi, la quercétine ou... Voilà, c'est ça, toute la gamme de ces flavonoïdes ou également toutes les... Là encore, je ne veux pas trop insister, mais ouais. toutes les substances qui vont interagir avec un système que l'on appelle le mTOR. Et puis, c'est un système qui est vraiment en pleine recherche. Là, en ce moment, il y a les biohackers américains qui sont très excités par rapport à un médicament qui est un antirogène, qui s'appelle la rapamycine, et qui serait peut-être, à l'heure actuelle, le meilleur anti-aging qui existe. Donc, tout ça, c'est des phases de recherche assez incroyables. Mais je voulais juste insister là-dessus, c'est-à-dire que là, par exemple, je viens de citer le mot rapamycine. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui se disent « Allez, je vais commander de la rapamycine ». Faites attention, la rapamycine, c'est quand même un médicament anti-rogène, donc on ne prend pas ça au hasard. Mais sachez quand même que peut-être que la rapamycine permet d'augmenter l'espérance de vie. On n'a pas encore assez de recul. Par contre, ce qui est complètement documenté, c'est que la restriction calorique augmente la durée de vie. Alors, avant d'aller prendre de la rapamycine, veiller à diminuer votre ration calorique. Commençons par les fondamentaux. Les fondamentaux. Le sommeil. Exactement. C'est la base. Alors, une fois que vous avez fait ça, oui, vous pouvez aller vous amuser. Personnellement, je ne vais pas faire la liste, mais je prends 12 à 15 compléments alimentaires par jour, depuis les plus simples, comme par exemple les oméga 3, la vitamine D, jusqu'à des choses plus complexes, comme par exemple, tu citais la fercétine, la quercétine, etc. Ok. Et donc, quand on veut commencer dans le biohacking, donc tu as déjà donné 5 habitudes de vie à mettre en place. On a échangé avant cette interview et tu m'as dit qu'il fallait commencer par enlever les éléments négatifs. C'est la base. La base, c'est ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle parfois la voie négativa. Hein. Donc la voie négativa, c'est d'abord supprimer tous les poisons de notre alimentation. Je parlais du sucre. Le sucre, il y en a partout dans l'alimentation moderne. Tu prends une boîte de conserve, tu prends des surgelés, il y a des sucres ajoutés. Donc le sucre, il y en a partout. Le sucre va créer une augmentation de l'insuline. L'insuline est un facteur de croissance et en plus, elle est pro-inflammatoire. Donc elle va créer une inflammation de l'organisme. Donc déjà, hop, on va supprimer le sucre. On peut supprimer également les aliments par rapport auxquels nous avons des intolérances. Alors, c'est relativement simple. Beaucoup de personnes... C'est assez à la mode, se prétendre intolérante au gluten ou au lactose. Certaines le sont réellement, certaines ne le sont pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous prenez un aliment, et si à peu près une à deux heures après, vous sentez des crampes d'estomac et que vous avez envie d'aller aux toilettes, bah, ça montre bien que probablement vous êtes intolérant à cet aliment. Donc l'idée, c'est éliminer les sources de désordre biologique. On parle beaucoup de la lumière aussi. Alors là, on n'a pas été des très bons élèves. On commence à être en fin de journée et nous utilisons des lumières artificielles. C'est vrai que la logique voudrait qu'en fin de journée, on utilise des lunettes qui bloquent la lumière bleue, donc cette lumière produite notamment par les ordinateurs, qui va interférer avec la synthèse au niveau du cerveau de ce que l'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui permet d'entrer dans le sommeil. Donc c'est vrai que avant d'aller, évidemment, je pourrais me prendre des compléments de mélatonine, mais si je prends des compléments de mélatonine et qu'en plus j'ai cette lumière bleue, c'est un non-sens. Donc d'abord la voie négative, alors on supprime tous les poisons et plein de poisons. Le stress en excès est un poison, même si le stress aigu est extrêmement bénéfique. Le stress chronique, lui, est un véritable problème. Et quand je dis poison, ça va être aussi toutes les choses qui, dans l'activité, par exemple, des entrepreneurs, leur fait pas être bien. Si par exemple, ils fréquentent dans leur équipe des personnes qui
les plombes quelque part au niveau de l'énergie ressentie, c'est des personnes qu'il vaut mieux éviter. Et commencez par éliminer les poisons, commencez par éliminer les personnes qui ne vous apportent pas du positif, commencez par éliminer les aliments qui ne vous apportent pas du positif, faites en sorte d'éliminer tout ce qui pourrait justement vous empêcher de vous sentir en forme et en énergie. Je reviens sur le sucre, le sucre ou les glucides au global, est-ce qu'on retire les aliments transformés qui contiennent du sucre ajouté? Ou est-ce qu'on retire tous les sucres, y compris la banane qu'on pourrait prendre à 16 heures? Ou est-ce qu'on retire aussi le riz qu'on pourrait prendre au milieu du repas? Alors, ça c'est une excellente question. C'est-à-dire que le problème qui touche parfois les personnes qui s'intéressent au biohacking, c'est ce que l'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire ça en devient presque une espèce d'obsession, hein, que ce soit l'orthorexie ou la bigorexie, qui est l'addiction au sport. Bah, là, on passe dans un versant qui est... je ne vais pas dire pathologique, mais presque en fait. Là, on passe dans quelque chose qui est excessif. Et à partir du moment où on est dans l'excès, ça va créer un stress. Donc, si je suis complètement obsédé à l'idée de me dire « Oh là là, le moindre grain de riz, ça va être une catastrophe » et que je me crée du stress avec ça, qu'est-ce qui est le plus gênant? Prendre un petit peu de riz ou avoir du stress? Après, au niveau de l'alimentation, il faut aussi savoir qu'on est, je sais pas, 7-8 milliards d'êtres humains sur cette Terre. Il n'y a pas une alimentation... TikTok pour autant de personnes. Donc chacun en a une autre alimentation. Pourquoi? Parce que nous avons chacun un système digestif qui nous est propre avec ce que l'on appelle un microbiote, c'est-à-dire des bactéries dans le tube digestif qui nous sont propres, comme une espèce de cartographie. Hein. On a une espèce de signaling, je dirais, avec ce microbiote. Nous avons tous un système digestif qui nous est propre. Et donc ben, forcément, l'idée, c'est d'utiliser les aliments qui nous donnent de l'énergie. Tu parlais de la banane à 16 heures. En soi, la banane à 16 heures, pourquoi pas? Il n'y a pas de contre-indication de prendre une banane si ça fait plaisir, si on se sent bien, etc. Mais maintenant, quand on prend des sucres, l'idée, c'est comment on les prend. Quel type de sucre? Il y a des sucres qui vont être plus lents à digérer, ce qu'on appelle les sucres à index glycémique bas. Donc l'idée, c'est plutôt de privilégier cela. Quand tu parles du riz, eh bien, le riz, par exemple, le riz tout blanc, ça va être un riz qui va avoir un index glycémique plus élevé, alors que le riz complet aura un index glycémique moins élevé. Mais avec plus de métaux lourds et d'arsenic. Voilà, donc tout peut pas être parfait. Après aussi, il y a les lectines hein, dans l'alimentation. Donc, il y a les lectines, il y a les oxalates, ça, c'est un sujet dont on a déjà parlé. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on est trop obsessionnel sur un système et que on ne veut pas en changer, c'est là que finalement on commence à faire des erreurs. Alors qu'à l'inverse, à partir du moment où l'alimentation équilibrée et que globalement après l'alimentation, je suis désolé, je vais être un peu sale, hein, mais c'est simple, après avoir mangé, vous regardez vos selles. Donc ou bien vous faites des belles selles bien marron, bien moulées, bien jolies, qui font floc, voir ce qu'on en appelle un perfect, hein, donc le truc qui tombe direct dans la cuvette et c'est magnifique, je suis désolé d'être aussi cru, mais c'est vraiment ça qui est important. Alors que si vous avez des selles qui sont un peu poisseuses, qui collent à la cuvette des WC, qui sont malodorantes, là ça montre que vous avez un problème digestif, que vous avez ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Donc c'est cette idée aussi simple de regarder ces selles, c'est une indication exceptionnelle. Ok. Est-ce que tu veux partager avec l'audience ici quelques biohacks que tu as mis en place, en plus bien sûr des fondamentaux que tu as déjà peut-être partagés? Alors au niveau des biohacks, alors c'est vrai que étant médecin, j'ai eu la chance aussi de pouvoir bénéficier de différentes choses et de tester différentes possibilités, différents compléments alimentaires. Après, effectivement, j'ai aussi testé pendant un certain temps, notamment la metformine. Hein, donc on a beaucoup parlé de la metformine. La metformine, c'est un médicament antidiabétique qui, semble-t-il, d'après beaucoup de publications, pourrait avoir un effet anti-âge et anti-cancer, en sachant qu'il y a des études actuellement qui remettraient ça un petit peu en cause. L'idée, c'est de bien comprendre que, déjà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être accompagné quand on veut aller au-delà. D'ailleurs, quand on veut juste rester aux bases du biohacking, on peut le faire soi-même. On peut se former, on peut lire des livres, on peut aller sur YouTube. Par contre, dès qu'on veut aller plus loin, effectivement, il vaut mieux être accompagné parce qu'on
faut pas jouer non plus avec sa santé. Oui. Surtout si on commence à vouloir prendre des médicaments. On parlait notamment des nootropiques. Hein. Les nootropiques, ce sont en fait ou bien des plantes, donc des choses très naturelles hein, qui vont booster nos capacités cérébrales, comme par exemple la bacopa ou le ginseng, hein, qui sont des nootropiques très connus. Mais par contre, il y a des personnes qui utilisent des médicaments, des vrais médicaments, en détournant de leur usage à des fins nootropiques. Je ne peux pas le conseiller. Voilà. Ouais, justement, est-ce que tu peux donner des exemples de personnes qui ont suivi des techniques de biohacking et les résultats qu'ils ont obtenus, de manière à ce que ce soit un peu plus concret pour l'audience? Alors, j'aime bien citer, puisqu'on a affaire à une audience d'entrepreneurs, alors j'aime bien citer le cas de Tim Ferriss. Hein. Tim Ferriss, c'est un entrepreneur très connu qui a toujours été, depuis son livre La semaine de 4 heures, qui a toujours été dans une, je dirais, une idée, presque une obsession d'optimiser ses journées, d'optimiser son temps, d'optimiser sa vie. Très naturellement, Tim Ferriss s'est mis au biohacking parce que ça semblait logique. Il a fait le maximum de ce qu'au niveau organisationnel, il pouvait faire pour s'optimiser. Et forcément, après, la barrière à dépasser, c'est la biologie. Ce qui est intéressant, c'est que même des grands noms du développement personnel, comme par exemple Tony Robbins, qui est certainement le coach le plus connu aux États-Unis, il parle presque tout le temps de biohacking, même s'il n'utilise pas forcément le mot. Il dit toujours dans ses séminaires « physiology first », la physiologie en premier, parce qu'il est bien conscient que de toute façon, pour un entrepreneur, allez, on va dire que effectivement, les techniques qu'on peut apprendre, en tout cas les techniques que nous apprenons ce week-end, sont fondamentales. Mais en même temps, si on n'a pas l'état d'esprit et qu'on n'a pas la santé, on ne peut pas aller bien loin. Un entrepreneur, ce n'est pas un sprinteur. Un entrepreneur, c'est un marathonien. Un marathonien, pour qu'il court longtemps, il faut qu'il garde son énergie. Parce que ce n'est pas tout d'aller cramer toute son énergie tout de suite. Non, l'idée, c'est de la garder le plus longtemps possible, de s'économiser intelligemment et de pouvoir comme ça vivre plus longtemps également, parce que dans les axes différents du biohacking, il y a optimiser sa santé, mais également pouvoir vivre plus longtemps, puisque un des axes, d'ailleurs c'est un axe qui m'intéresse beaucoup, puisque j'ai ces diplômes de médecine anti-âge, personnellement voilà, j'ai 50 ans, donc nécessairement c'est un axe qui m'intéresse, l'idée d'augmenter la longévité par des moyens naturels ou moins naturels bien évidemment. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin? J'ai pas vraiment de mot de la fin, sinon vraiment insister sur le fait que vous êtes une audience d'entrepreneurs, rappelez-vous que vous êtes des marathoniens, rappelez-vous que finalement, votre entreprise, c'est comme le corps humain. C'est-à-dire que, quel est le chef d'orchestre? C'est vous. Dans le corps humain, le chef d'orchestre, c'est le cerveau. Eh bien, le chef d'orchestre, le cerveau, s'il ne fonctionne pas bien, le reste, ça ne va pas marcher. De la même façon, si vous, vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas dans un état d'énergie, si vous n'êtes pas dans un état de capacité cérébrale optimum, votre entreprise, à un moment ou à un autre, elle va péricliter, parce que de toute façon, elle ne peut pas aller bien sans vous. Si elle peut aller bien sans vous, ça montre bien que finalement, vous n'êtes plus vraiment à la tête de l'entreprise, vous n'êtes plus vraiment utile pour l'entreprise. Donc, si vous voulez que votre entreprise performe, faites en sorte vous-même de performer. Faites en sorte d'être, je dirais, avant d'être le CEO de votre entreprise, soyez le CEO de votre propre corps. Le biohacking, c'est ça. C'est être le CEO de son propre corps, de sa propre biologie. Ok, donc soigner votre corps, c'est le moyen qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Et vous n'en avez qu'un seul, il faut le chouchouter. Beaucoup trop d'entrepreneurs tirent sur la corde et font un burn-out et se crament. Et du coup, ils sont plus productifs. Donc, rien que ça, voilà, ça vous donne l'état d'esprit à avoir. Soignez votre santé, soignez votre corps, votre énergie, c'est ce qui vous permet d'aller plus loin. Merci, docteur. Merci à toi. Alors, peut-être une toute petite citation, parce qu'en fait, quand tu as parlé, ça m'a fait penser à une citation que j'aime beaucoup de Saint-François d'Assise, qui dit « Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise ». Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment devrait être sur le fronton de tous les bureaux des entrepreneurs. Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise. Donc, si vous voulez avoir une âme joyeuse, et bien faites en sorte que le réceptacle de cette âme soit bien en forme. Cliquez en dessous de cette vidéo, je vous mettrai une fiche résumée avec les différents points clés partagés aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je partage aussi ma routine biohack, puisque j'ai testé pas mal de choses sur les dernières années au tarif de ma santé, mais du coup, vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Voilà, il faut se faire accompagner et bien faire des recherches. Voilà, et puis si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez donc du coup adorer la suivante.